Nos mains, que n'ont-elles pas encore touchées? Amour. Nos mains effleurent la vie dès la première naissance. Elles serrent la main de celle qui nous a enfantés. Elles créent avec magie les jeux de la croissance. Si l'on pleure, ce sont elles qui viennent nous consoler. Créativité. Nos mains nous transportent avec de belles mélodies. Avec force, elles se dressent pour combattre l'horreur. Elles réparent, prêtent main forte après chaque tragédie. Nos mains toujours s'empressent pour donner du bonheur. Souvenir. D'un signe, nos mains pardonnent, rétablissant la concorde. D'un signet, elles retiennent les pénibles malheurs. Et leur peau se sillonne aux labours qui les mordent. Toute l'histoire qu'elles contiennent, elles en portent les couleurs. Espoir. Nos mains, alors, que n'ont-elles pas encore touché? L'invisible, le subtil, l'imperceptible sans fin. Une lumière d'or, le Verbe, vous pouvez le toucher. La promesse des Sibylles est à portée de main. Révélation. Ne croyez pas ces rimes, et encore moins le poète. Croyez en vos deux mains tendues vers le subtil. Promenade vers l'intime à l'idée d'une quête, sentez, tel un témoin, le léger souffle tactile. Libération. Fermez les yeux pour voir en vous, à l'intérieur. Laissez faire l'énergie qui s'éveille avec grâce. Soyez plus désireux. Conviez-la dans votre cœur. Ô toi qui me relis, émerge, crois, germe vivace. Porte mon attention à la cime de l'arbre de vie. Plonge-moi dans le silence, fleuve de paix et de joie. Verse-moi l'onction, laisse-moi ressentir l'esprit. Deuxième. Gardez les mains tendues et les yeux fermés. Voyez par vous-même ce que vous ressentez. Appréciez l'expérience. Restez en silence. Ouvrez les yeux lentement. Appréciez la réalisation du soi.